Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre partie, notre session de jeu en solo de Age of Comics, donc qui était déjà débutée, et donc il nous restait que deux rondes à faire, donc rondes 4 et 5, et bien sûr, la totalité des points. Alors je vous rappelle que je suis très loin derrière à mon avis, donc jusqu'à date... les trois comic books de mon adversaire font beaucoup plus sensation, étant à 11 et à 2 fois 12 fans, tandis que moi, mon It Lives et Just a Feeling, essentiellement, ils sont à 5 et à 6. Donc, ça va pas très très bien. Donc, ça va pas très 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 bien, mon affaire, mais quand même. On va continuer dans cette voie. Alors... on tourne les demandes en comic book d'enquête. Donc, celle-là. Y'en a-tu d'autres? Non, à part ça, sont toutes tournées. On fait un petit refill des Zidia tokens. Donc, j'en prends un comme ça. On va pas l'avoir. Donc, ça ici, ça là. Ensuite, on met du hype. Donc, essentiellement, un ici, puis un là. Donc, il est rendu à deux. Alors, ça, c'était intéressant. Par la suite, on peut payer pour augmenter la valeur de nos valeurs créatives. Mais là, pour l'instant, je pense que je vais laisser ça comme ça, de toute façon. Et là, on s'est rendu aux actions, donc les actions de mon adversaire, donc il fait un hire, donc effectivement, il peut le faire. Il s'en va prendre du mot aussi, navet, du rouge s'il y en a, donc il s'en va chercher les deux rouges qui sont là. Ça, c'est un writer, on va le mettre là. Ça, c'est un artiste. Comme ça, si on peut peut-être le monter un peu, voilà. Parfait, donc là, ça va être à mon tour. J'ai quand même de l'argent, ça je pourrais le faire. Je vais publier tout de suite, donc je vais publier... Puis publier mon Outlook là, donc je vais mettre... le 2 fan comme ça, le 2 de writer comme ça qui est pas du bon genre, un 1 comme ça du bon genre. Je vais mettre mon out là tout juste en dessous avec les deux hype. Donc on attendait la sortie de out là depuis un certain bout de temps apparemment. Je vais payer mes deux tokens du genre. Ensuite ça va me coûter 3. Donc il me revient 2. Et effectivement, donc je vais faire 1, 2, 3 fans, 5 fans, 7 fans. Donc avec Outlaw. Alors je fais 7 fans. Donc il est rendu ici. Et j'avais pas de commande à ce propos-là en tant que tel. Mais ça vient quand même me déloquer ça. Et en faisant ça, vu que je suis maintenant à 3, je peux aller faire ça ici. Et je vais aller prendre, je vais aller établir des meilleures couleurs dans ma série It Lives. Donc, ce qui va donner en fin de partie deux points de victoire supplémentaire. Donc, l'espèce de deux petites étoiles essentiellement. Oh non, c'est le It Lives qui est de meilleure qualité au niveau des couleurs. Donc, ça c'est fait. Ça est à son tour. Donc, il développe. Donc, il va développer un orange, sinon un mauve, sinon un rouge. Donc, il peut développer deux fois. Donc, ça ici, on va les garder un petit peu plus haut. Voilà. Donc, même si j'en ai un orange, puis lui, il y en a un orange, vu que c'est égal, puis c'est lui qui avait commencé, il va quand même garder sa maîtrise.
c'est si je le dépasse de 1 que je vais avoir, je vais obtenir son petit pavillon de maîtrise, ce qui n'est pas fait encore. Donc, il fait son développement, c'est à mon tour. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire qui serait un top niveau? C'est juste 3 fans. Là, ça gagnerait peut-être. Je vais faire un sail. Je vais déplacer mon pion ici. Je vais tourner celle-là. Puis là, je peux en prendre 3 si je veux. Alors, je vais prendre celle-là, celle-là. Puis c'est pas mal ça. Je vais juste prendre ces deux-là. Donc, automatiquement, j'ai le 3 fan ici, donc le 3 de valeur créative. Donc, je gagne un fan pour celui-là qui vire ici. Donc, ça, on s'en débarrasse. Et lui, ça prend 3. J'ai 3, donc j'y rajoute un. Donc, je remplis des commandes, c'est ça que ça veut dire. Donc, lui, il augmente de 1 tout simplement. Ok, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Et bien sûr, avec celle-là, j'ai complètement oublié, j'ai gagné un transit de super transport. Voilà. Ça, je pense que j'ai oublié de le prendre, ce bonus-là. Je crois avoir oublié, mais là, je ne peux pas aller voir en arrière. Donc, on va laisser ça comme ça. Alors ici, j'ai peut-être oublié de prendre le bonus de cette carte-là que je l'ai faite, qui était de prendre deux jetons de mon choix dans la réserve. Mais bon, j'en ai aucune idée si je les ai pris ou pas, mais je crois que non. Mais tant pis, hein, c'est mon erreur. J'avais juste à regarder mes affaires correctement. Bon, alors solo. Donc, il va faire un print. Donc, il essaie de faire la même chose que moi. Donc, premièrement, un orange. Effectivement, il peut faire un orange ici. Donc, il va toujours avec le meilleur writer qu'il faut. Il va avec le meilleur artiste et en plus, c'est du bon genre. Donc, on se retrouve avec ça ici. Il y avait un petit 2 fans dessus, un hype. Donc, essentiellement, ça il fait 5 plus 4, 9, 11 de valeur. Donc, Kings of the Plain, c'est ça? Non, ça l'a dessus. Donc, 11 de valeur, donc il se retrouve automatiquement ici. Ça va pas bien parce que je sens que je suis en train de perdre de façon lamentable, les amis. Ça aura pas de bon sens. C'est pas grave, au moins je vais vous avoir montré comment ça fonctionne. Puis surtout, c'est une partie expert, on va le dire. Donc, c'est à mon tour. Là, pour faire le maximum que je peux faire. Donc, le swap, il est là. Il faudrait que je fasse un higher encore. Ah non, j'en ai pas fait. Si je fais un higher, je pourrais aller faire ça ici et échanger celle-là et celle-là ensemble. Ici, il deviendrait une valeur 4. Je pourrais additionner le fan qu'il y a là. Oh, que ce serait intéressant. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas évident. Sinon, je pourrais aller là. Ça vaut pas la peine. Oh là là. Je suis... je me demande beaucoup, très bien, qu'est-ce que je vais faire. C'est pas évident. Oh là là. Si je me déplace là. Ça je l'ai pas. Ça je l'ai pas. Ça je l'ai pas.
Bon, ça vaut pas la peine. Si je me déplace là, j'ai ça, j'ai pas ça. Ben, je vais faire un. C'est un autre sale que je vais faire. Là, j'en ai deux ici que j'ai pris que j'aurais peut-être pas dû. Oh my god. Non, je pense que. Ouais. On va faire un develop. On va payer 4 pour aller chercher. Un petit verre comme ça. Alors, Neptune New. C'est à lui. Alors, il fait un air, il peut pas. Développe, il a déjà fait. IDs. Donc, il s'en va là. Puis, il prend le super-héros. Et celui-là ici. Et vu qu'il en a fait deux. Donc, les deux plus gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, ces comic books commencent à prendre beaucoup de valeur. Ils ont beaucoup, beaucoup de fans. Et moi, ben, je fais mon possible avec ma petite compagnie. Donc, ok, parfait. Donc, lui, il a fait ça. J'ai plus d'argent. Je vais aller me faire des royalties ou je me fais des sales encore. Si j'utilise mon ticket, je peux me rendre où ce que je veux sur le plateau. Je pourrais me rendre. Si je me rends là, je peux utiliser celle-là et potentiellement celle-là. Fait que c'est ça que je vais faire. Je vais utiliser mon ticket. Bon, mon ticket est utilisé. Je m'en vais ici. Donc, je peux en tourner deux. Ben, juste un. On s'entend, celle-là. Et là, je peux en prendre deux. Donc, je vais prendre ces deux-là ici. Et donc, essentiellement, comme on peut voir, j'ai le 3 fan d'horreur. Le 3 de création d'horreur. Donc, je me fais un plus un fan. Sur le It Lives. Et sur mon Out là, je l'ai le 3 aussi. Donc je me fais un plus un fan sur le Out là. Donc quand même, ils prennent de l'importance, mes comic books, mais pas autant que mon adversaire. Et là, en faisant ça, je peux pas utiliser celle-là. Je pourrais utiliser celle-là, mais ici, ça faut que je sois rendu là pour pouvoir aller chercher ça. Donc je ne peux pas. Et donc, ça vient de terminer là. Alors, on établit le ranking. Donc, c'est encore la même chose que tout à l'heure. Donc, les premières rondes. Donc, lui, il gagne 3, moi, je gagne 2. Ça va être un massacre. Ensuite, on gagne de l'argent. Donc, je gagne 3, 7, 11. Et mon Dieu, dans ma première partie, j'étais meilleur que ça. Ensuite, on enlève un fan à toutes les comic books. Lui, il retourne en haut ici. Lui, il s'en va là, ces deux-là. Ensuite, on enlève les éditeurs. Donc, ça, oups. On va placer ça sur le plateau ici. Alors, on fait ça à la fin du tour 4. On reprend les 4 au complet. Deux solos, on les remélange. On en place 4 ici comme ça. Et voilà. On replace cela. On défausse les 4 qui sont là pour les remplacer. 1, 2, 3. Même chose ici. 1, 2, 3.
ici. 1, 2, 3. Et voilà, c'est ici comme ça. Voilà. Ok. Bon, ça. Il y a des petits problèmes avec ma caméra. Ouais, que voulez-vous? Donc, ça c'est fait, ça j'ai changé, ça je l'ai changé. On est rendu au dernier round, donc le round numéro 5. Donc là, on révèle les dernières tuiles qui n'ont pas été révélées finalement. Alors, le 6 est là, c'est là ce que j'aurais dû aller. Ah, ben peut-être pas finalement. Il est là. Ok. Donc, je vais. Donc, on continue, on refill les IDEA. Donc, un comme ça, un comme ça. Ensuite, on met du hype. Donc, ça ici, ça là. Ensuite, je peux augmenter mes valeurs. Fait que je vais payer 2. Donc, il me revient 9. Pour augmenter la valeur de mon artiste. Ici, de 2 à 3. Et c'est tout. Pour l'instant, du moins. Pour l'instant. Et là, c'est les actions. Donc, c'est à lui. Alors, il fait un hire. Donc, il s'en va recruter. Donc, il recrute du orange. Sinon, on recrute du mauve. Sinon, du rouge. Alors, writer, voilà. Artiste. OK. Donc, c'est à mon tour. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais pour maximiser mes affaires? Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais aller faire ça ici. Je vais aller chercher un comme ça. Un comme ça. Puis là, deux ici. Un comme ça. Puis, putain, je vais aller chercher un autre verre. Là, oups, le cube tantôt, j'ai oublié de le reprendre. Donc, je pourrais aller faire ça ici en bas. Je vais faire ça. Je vais prendre 1, 2, 3. Que je jette. Et donc, ça augmente de... Est-ce que je les ai fait baisser tantôt? Oui. Donc, ça va augmenter 1, 1, 1, comme ça. Ouais, c'est pas mal une bonne idée. Donc, c'est à son tour. Alors, il fait Hire non, Develop. Donc, il s'en va chercher celle-là ici. C'est ce que je pensais qu'elle allait faire. Alors, c'est à mon tour. Je vais faire... Ça va coûter 1. Oh boy! Ok, 1, 2. Ouais, ça va faire que j'augmente. Il aurait fallu que j'augmente ça, mais ça ne marchera pas. Bon, on va faire un sale. Je vais me déplacer de 1. Je peux en prendre jusqu'à 3. J'en prendrai pas 3. Je vais juste prendre celui-là ici. Puis, tiens, celui-là. Je crois que ça va être utile. Donc, essentiellement, celui-là, je peux le remplir automatiquement. J'ai 6 ici. Donc, ça me donne plus 4 fans sur celle-là. 1, 2, 3, 4. Oups, on va mettre ça là. Ensuite, j'ai celui-là. Que je peux pas remplir tout de suite, mais ça s'en vient. OK. Et en faisant ça, je ne peux pas faire l'action qui est en dessous, malheureusement. Donc, c'est à lui. Alors, il va faire un
N'embauche, développe ou IDs. Donc, IDs, il prend celui-là, il peut pas prendre celle-là, il va prendre celle-là. Et donc, ça augmente de 1, 2, 1, 2. Donc, c'est les 3 meilleurs qui augmentent de 1 pour chaque jeton, donc de 2 fois. Excellent, parfait. Donc, c'est à mon tour. On va faire un print avec ça ici. Donc, ça me coûte 5. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 fans. 5 fans plus celui-là, plus 3 fans. Ça veut dire que ça me fait 8 pour Neptune New. Donc, il monte là et directement. Et là, je peux me prendre deux de mon choix. Ah oui, on doit payer ça. Nye. Puis, tiens, je vais reprendre deux mots, tiens, au cas. Comme ça. Et là, en faisant ça, le print, je peux aller faire des meilleures couleurs. Fait que c'est ça que je vais faire. Je vais faire ça ici pour faire des meilleures couleurs. Sur mon dernier, sur mon ma dernière apparition, tiens, pourquoi pas. Alors, c'est sa dernière action. Là, ça, il l'a fait. Il va faire print. Et là, il va essayer de printer un vert. Ensuite, un orange. Donc, le Wild Annie. Donc, il va prendre ce writer-là et ça. Donc, essentiellement, ça va comme ça, comme ça, comme ça. Et Wild Annie va être à 5 plus 5, 10. Alors, tout de suite en partant, commence à 10. Et ma dernière action. Ou peut-être pas, quand je pense à ça, parce que je vais faire ça ici. Alors, ça ici. Alors, mon petit jeton va se déplacer à là. Fait que je vais juste ramasser celui-là, que je peux faire tout de suite, parce qu'ici, c'est une valeur de 6, donc ça donne plus 4 fans à celle-là. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais prendre mon cube, je vais le placer là. Je prends l'éditeur qui est là. Donc, lui, il a fini. C'est à mon tour toujours. J'aurais pas dû prendre ces deux-là. Là, la meilleure chose que je pourrais faire, c'est quoi? C'est peut-être même un autre sale. Si je me déplace, là, je pourrais avoir plus un fan, ici plus 4 fans, donc ça me coûterait 1, 2 supplémentaires, donc ça va être un sale. Je me déplace de 1 et de 2 supplémentaires, ça me coûte 2. Je vais prendre celui-là et celui-là, donc les deux j'y respecte essentiellement, celui-là augmente de 2 fans et l'autre augmente de 1 fan, comme ça. Et c'est la fin. Donc, on établit le ranking pareil. Donc, on gagne un certain nombre de VP selon celui qui a le plus haut. Ben, le plus haut, c'est encore lui. J'étais proche de le rattraper, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, je me fais 2, il se fait 3. Ensuite, on gagne. Donc, je gagne 3 x 4, 12 plus 9. 12 plus 9, 21. 21$. Ensuite, on enlève un fan à tous les comic books. Ensuite, bon, on n'enlève pas les éditeurs, on s'en fout, puis le reste également.
Donc, on est rendu finalement à calculer combien on a fait chacun. Donc, je sais pas s'il va paraître correctement. Oh oui, que bah, il est un petit peu transparent, mais c'est pas grave. Donc, on va commencer par lui. Alors, on va calculer ça correctement. Excusez. C'est à la fin juste ici. Alors, si on calcule bien, lui, il fait un point de victoire pour chaque fan sur sa chart. Donc ici, c'est 10, 13, 13 plus 14, 27, plus 14, ça fait 37, 41. 41 plus 18, ça fait 59. Alors, lui, il commence avec 59 fans. Et moi, ben, j'en ai ici 3 fois 8, 24, plus 13, 37. Donc, déjà là, ça part mal. Alors, any VP earned from the end of round ranking throughout the game. Donc, ceux-là. Donc, il a gagné 1, 2, 3, 4, 5 fois 3, 15. Et moi, on verra qu'est-ce que ça donne un petit peu plus tard. Ensuite, 2 VP pour chaque token de Mastery qu'il a gagné durant la partie. Donc, j'en avais-tu gagné un autre? Non, moi, j'en avais pas gagné d'autres. Donc, essentiellement, il y en a 3. Ça, il l'avait. Celle-là, il l'avait. Ça, il l'a. Et voilà, il y en a 3. 3 fois 2, ben, ça fait 6. Ça, c'est des Mastery. Donc, on va l'écrire là pour le fun. Et ensuite, on y rajoute 32 VP. Parce qu'on jouait à expert. Donc, essentiellement, ça y fait 64, 74, 80, 112 points de victoire. Et donc, on va calculer les miens correctement. Alors, en ce qui me concerne, bon, alors c'est un fan, un VP, donc ça c'est déjà fait. VP accumulé, donc la somme de tous les VP accumulés à travers la partie, donc les VP tokens, donc normalement j'en ai 5 fois 2, 10. 10 plus 2 mastery, ça veut dire 14. 14 plus les meilleures couleurs, plus 4, ça fait 18. Puis les VP, si je serais rendu jusque-là, ben là, c'est pas le cas. Donc, ça fait 18. Ensuite, j'ai gagné un point de victoire par 4 sous. Donc, j'ai 12, j'ai 14, j'ai 24. 24, ça veut dire 6. Ensuite, par 4 jetons comme ça, j'en ai pas assez. Donc, c'est 0. Ensuite, je gagne 6 points pour chacune de mes paritions qui a toute la bonne couleur. Donc, j'ai 12 points pour ça. J'ai 4 points pour ceux qui ont une carte au moins de la bonne couleur. Donc, 8 points. 2 points pour ceux qui n'ont aucune bonne couleur qui va avec le... Bon, ça, c'est pas le cas. Donc, essentiellement, ça fait 45, 55, 61, plus 20... 81. Donc 112 à 81. Alors, c'est une défaite terrible pour votre humble serviteur à Age of Comics. Donc, je peux vous dire que c'était pas mal inversé dans une partie débutante que j'ai joué. Et là, je viens de me faire renverser. Bon, j'ai voulu jouer expert. C'est un petit peu de ma faute. Déjà, il part avec un grand bonus. Si on avait joué à débutant, c'était juste plus 18. Ça veut dire 14 de moins. Il aurait quand même gagné, mais la différence aurait été pas aussi élevée. Donc, voilà. Donc, on a joué à Age of Comics. Va probablement suivre une première impression très, 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 très bientôt. Par contre, je peux, vu que ce vidéo n'est pas nécessairement très, très, très long, je peux vous donner un aperçu.
Bien que c'est un placement de travailleur, dans un univers ou dans un thème qui est plutôt intéressant, je dois dire que le matériel en tant que tel, bien qu'il rappelle un peu le style comic book des années 40, 50, 60, les couleurs, etc., est-ce que j'aime ça vraiment? Je suis assez mitigé là-dedans. Le matériel, je ne le trouve pas super attrayant. Donc, je vais le dire tout de suite, là, le matériel, je ne le trouve pas hyper méga attrayant. Oui, ça reprend le feeling. J'ai vu feeling. Donc, ça reprend le feeling, justement, du thème en tant que tel. Mais, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Je suis vraiment pas sûr que c'est vraiment. Ça m'attire pas. On va le dire, ça m'attire pas. En termes de gameplay en tant que tel, c'est un jeu qui offre pas assez d'options en tant que tel. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 actions différentes qu'on peut faire, sans compter les special actions, des actions spéciales qu'on peut peut-être débloquer en cours de partie. Mais ça rajoute pas tant de choses que ça qui vont faire en sorte que c'est un jeu hyper complexe, un jeu où qu'un gamer comme moi va vraiment y trouver son plein. Son plein potentiel, le plaisir qu'on veut en retirer. C'est un système qui marche, c'est un gameplay qui fonctionne, mais encore là, je suis très 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 mitigé de ce côté-là. Bref, première impression, vraiment faite sur le vite fait à la fin de cette vidéo aussi. Je suis pas prêt à mettre un pouce en l'air pour ce jeu-là, mais je vais pas mettre un pouce en bas non plus. Donc, je pense que c'est à chacun son style. Peut-être que c'est un jeu qui peut vous intéresser. C'est à vous de vous faire quand même une idée. Mais moi, je pense pas qu'il va rester dans ma ludothèque. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air. Allez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez sur notre Facebook ainsi que notre Discord. Allez sur notre Patreon au www.patreon.com/zonejeuxdesociété si vous voulez nous donner un petit coup de pouce à moi et Martin. Alors, c'est toujours très apprécié. Si vous voulez avoir de la marchandise de la zone de jeux de société, le lien est dans la description de cette vidéo ou sinon sur la page Facebook, dans un post ou une publication épinglée que vous allez y retrouver justement le lien à cliquer pour aller chercher tasse, casquette, etc. à l'effigie de la zone de jeux de société. Et bien sûr, allez sur le site web de notre commanditaire, la boutique La Pioche ou La Pioche boutique de jeu au www.boutiquelapioche.com ou encore, si vous voulez, allez directement en magasin à Québec au 106 boulevard René-Lévesque Ouest. Et d'ici là, ben, amusez-vous avec vos jeux de société et on se retrouve très, très, très bientôt.